Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare, pour le passage au niveau 100 de la saison 2. Alors oui, comme vous pouvez le voir, je suis déjà niveau 100, je me suis encore fait avoir, comme lors de la saison 0, c'est-à-dire que j'étais pas encore trop avancé, sur le niveau 99, du coup je me suis dit que je pouvais me permettre de faire une game supplémentaire histoire d'être sûr que la game que je vous ferai après en vidéo pour passer niveau 100, bah, je sois sûr de passer niveau 100, que ça passe largement. Sauf que du coup dans la game qui me permettait d'avancer dans le niveau 99, bah, je suis passé directement niveau 100, et quand je dis directement, ça a été sûrement dans la première minute de la game. Je dis sûrement parce que tellement que ça a été rapide, je l'ai pas vu. C'est à dire qu'à un moment de la game, j'ai regardé le tableau des scores et j'ai vu que ah, je suis niveau 100. Ah bah mince alors, je l'ai pas vu venir ça. Donc ouais, mauvaise surprise, et je me suis encore fait avoir du coup, tout ça parce que l'XP ne s'actualise pas en temps réel. Donc ça t'affiche hein, une valeur, un nombre d'XP du niveau, mais au final t'es bien plus avancé, donc c'est chiant. C'est déjà la deuxième fois que ça arrive, donc maintenant je pense que je vais prendre large, hein. Et que du coup, comme ça je me ferai plus avoir, soit on fera deux games, tu sais, dans les passages au niveau, soit je fais une épreuve supplémentaire, comme ça ça donnera de l'XP. Je sais pas, un truc dans le genre, hein. Mais ouais, faut pas que ça se répète encore une fois, quoi. Deux fois, ok, trois fois c'est trop. On va dire ça comme ça. Et du coup, gameplay avec la M91. Oh oui, ok, par contre, ils sont déjà avec le Damascus en face. Gameplay avec la M91, parce que c'est la variante que l'on débloquait. Du coup, en étant niveau max lors de la saison 1. Ouh là 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 là, ça campe au muret. Donc ça m'arrange pas, hein, clairement, parce que la M91, pour moi, c'est la pire batteuse de ce Modern Warfare. C'est pas une arme que j'apprécie plus que ça. Mais bon, là, un peu contraint de l'utiliser. Hein. J'aurais préféré, effectivement, qu'on débloque une autre variante, hein, enfin, sur une autre arme. Mais non, ça a été la M91, donc maintenant, contraint de jouer avec. Quelle pénitence! Donc pas sûr qu'on fasse une game de taré, hein. Surtout sur shooter, ça va être du corps à corps, donc je suis pas convaincu du tout. Surtout aussi quand je vois du coup qu'il y a un mec comme avec le gamo Damas en face, donc ça tryhard, hein. Ça tryhard. C'est pas des mecs qui jouent une heure par jour là, en face, hein. Et encore plus sympa, une heure par jour c'est déjà pas mal, hein. Hop, parfait, la petite Semtex par contre ça passe. Lui, il veut se venger, hein. Oh, la fumigène et tout. Ouais, ok, assistance. Ça envoie fumigène, ça envoie les termites, ça envoie tout ce que t'as. Ok, on a le QG. Là, je pensais qu'il allait se désactiver, là, parce que bon, on a pris 20 ans à le capturer. Il s'est même pas désactivé. Là, on a le drone. Bon, vas-y, autant le mettre maintenant, vu que, de toute façon, là, on va pas pouvoir réapparaître si on meurt. Ça peut aider à survivre un peu. Je dis pas non. Plus je vais faire une pause rechargement, donc me rushez pas maintenant, ok. Je dois faire une pause rechargement des plus longues. Hop. Ouais, ça va. Même 91 encore, ça va à ce niveau-là. Si je dois lui trouver un atout, un bonus, prend pas encore trop de temps à recharger pour une arme qui a autant de mun. Par contre, ça c'est sauvage. Peut-être que je vais m'en sortir finalement avec cette arme. Hein. Qui sait. Wow, là, wow. Ça aussi c'est surprenant, tiens, je suis pas habitué que ça mette autant de dégâts. Ils sont chiants avec leur fumigène là. Quelle idée de jouer fumigène. Quelle idée. Ouais, bon. Ah, bonjour. Hop, hein. Parfait, on enchaîne. Ah, oh, dommage. Dommage, dommage. Il m'a surpris avec son pompe. Moi je pense que la partie elle va durer longtemps là, parce que ça a pas l'air de... autant capturer que ça les QG. En tout cas il s'est pas en mode focus, tu sais. Dès qu'il y a le QG qui spawn, hop, direct dessus. Pas l'air d'être trop ça dans cette partie. On a l'impression que les mecs sont plus là pour faire des kills, ça m'arrange. Ça m'arrange, ça m'arrange. Là il y a un mec au... Voilà, il a peut-être quitté son top. Hein, et ça met des messages, je ne peux pas les lire, ça a l'air super passionnant. Non, c'est juste des insultes en fait, ok, donc pas très passionnant. Mais oh, parfois ça peut être passionnant aussi quand même les insultes, hein. Ça dépend desquels. Bon là du coup, ouais, ils sont tous là-bas. Genre petite Semtex peut-être, ça peut faire le taf là. Bon, je crois que le missile a fait le taf surtout là. Parce que là... Ah non, ils ont même pas capturé le QG, non, non, non. 2-3 à 0.
Putain, mais ils sont full fumi. En joueur fumigène, ils font croire qu'ils veulent jouer à fond l'objectif, mais pourtant on dirait pas. C'est bizarre, tu vois. Et fumigène, c'est sûr que c'est chiant, hein. Putain, lui, il m'a même pas tiré dessus. Ah, dommage. Il m'a même pas tiré dessus derrière son muret, qu'est-ce qu'il fait? On se le demande. Du coup, il y a toujours un mec là. Je pense que c'est le même d'ailleurs qui est au muret. Je pense qu'il essaie de faire ses tirs de loin s'il est là. Ou ses tirs penchés d'ailleurs. Putain, et lui, par contre, fond de map, toi t'as aucune excuse, toi. Hein. Qu'est-ce que tu fous là? Avec sa rame 7 là. C'est inexplicable, ça n'a aucun sens. Moi je me mets un peu au muret aussi. Pas de tir penché à faire honnêtement. Parce qu'ils sont déjà faits sur M4-11. Par contre, j'ai mes tirs de loin, donc on va dire que j'ai une raison d'être ici. Ah mais par contre, mais c'est mes alliés qui jouent fumigène, on dirait. Ah bah vous êtes pas cool les alliés. Hein. Je pensais que c'était les ennemis moi, mais en fait non, c'est les alliés. Et il y a encore une fumigène ici. À mes limites là, faudrait que je change ma classe, que je mette rapidement là une thermique sur M91, hein, parce que vu comment ça joue, j'ai l'impression que ça me serait utile. Hein. Beaucoup trop de fumigène. Bon, ça passe. Ah mais là, la M91, elle me surprend, hein. Elle met des trucs. Et puis, elle met 300, hein. Bon là, non, là, ça ne passe pas à cette distance, forcément. Surtout une mitraillette, elle a bison, bon, c'est pas le même taux d'efficacité pour du corps à corps. Hein. Je suis sûr qu'il y a encore un mec là au fond, en train de faire ses tirs penchés là au muret. Et l'allié le verra avant moi s'il est là. Non, ok, y a personne. Ouf, au moins on passe derrière eux. Hein. Venez, j'ai mes tirs de loin, s'il vous plaît. On est en vidéo, donc non, je suis pas là vraiment pour faire mes tirs de loin, mais si je peux en faire quelques-uns là, je me dérangerai pas. Hein. Oh putain, mais non. Finalement, je corrige peut-être ce que j'ai dit. Oh, mais lui, il est en tir penché. Ils sont peut-être en fait à fond sur l'objectif. Parce que lui, il était déjà là. Je pense que c'était peut-être plus pour faire ses tirs penchés qu'autre chose, mais. Oh, mais vas-y, C4. Oh, Semtex. Décidément, j'en fais des kills à Semtex dans cette partie. Mais ces 4, ça par contre c'est pute, sans un nom, ça on n'apprécie pas. Hop, et encore une Semtex, si elle paye celle-là encore. Non, je peux pas non plus à chaque lancer maintenant faire un kill à la Semtex. Hein. J'aimerais bien, mais ça fonctionne pas comme ça. Oh oh oh, ça arrive dans notre spawn. Toujours. Puis c'est celui qui a le camouflage damage, je crois. Oh non, lui il est aux pompes. C'est pas pareil, ça va venir là en plus. Ah là, essaye toujours de me pomper à cette distance, tu m'auras pas là. Ça... Putain, mais il est venu en plus. Eh, je parle même plus, vas-y. Mais non. Je vais à lui, hein, il a su me surprendre, mais. Mais non. C'est ça aussi de jouer batteuse sur shootout. On pompe, ok, mais batteuse, non, c'est pas adapté. Mais quand on est contraint, on est contraint. Ah, mais attends, même mes alliés sont avec la M13. Par contre, ça a bugué là. Bonjour. Me dis pas qu'après. Mais c'est pas possible. Coupure de connexion là maintenant. Je suis vraiment maudit, c'est plus possible. Cette vidéo, on dirait un parcours du combattant. Premièrement, je me fais avoir parce que du coup, il n'y a pas l'actualisation des niveaux en temps réel. Et donc, je passe le niveau 100 hors vidéo. Et ensuite, quand il faut faire le gameplay de ce passage au niveau 100, je me ramasse une déco. Bon, vous verrez quand même le gameplay du coup, mais malheureusement, on n'a pas pu le finir. J'aurais bien aimé, parce que ça avait bien commencé sur Shoothouse. Normalement, ça aurait pu bien se terminer également. Hein. Donc là, voilà, on va faire quand même une autre game, parce que bon, on va pas se laisser là-dessus. Donc je me suis dit, une petite MME rapide, voilà, parce que bon, si on fait encore du quartier général, ça pourrait durer longtemps. Bon, je reste par contre à Glam91, et on est sur Atlas Superstore. Par contre, attends, on est en 10 contre 10, mais en fait, ils sont combien là? Ils sont 6. Oula, oula. Ouf, tant que c'est dans l'équipe adverse, ça me va après. Hein. Mais bon, on sera pas trop désavantagé. Ok, c'est bon, ça join. Allez, c'est parti. Imagine, je me prends encore une déco. Non, pas possible. Non. Après, j'ai un client possible et ça pourrait très bien arriver. Effectivement, oui. C'est possible. C'est possible que ce ne soit pas impossible. Allez, let's go. Petit M91, est-ce que tu seras aussi efficace que tu l'étais sur Shoothouse? Je suis pas convaincu par cela, mais ça reste à prouver. Donc déjà, tu vois, le mec au top, là, tu lui mets beaucoup de balles, il se casse. J'aime ça. Et deux fois, merci. Ouais, bon, lui, clairement, on n'aura pas sa vie, quoi. À moins que je lui mette une grosse tête qui soit surpris, du coup, mais sinon, à chaque fois, il va se barrer sur le côté, là. Et on pourra jamais le finir.
J'aime ce genre d'adversaire. Au final, eux, ils doivent bien s'emmerder, hein, parce que à part faire des gauches-droites, ils font rien, mais... Ils sont pas tués non plus entre-temps, hein. Puis là, vu comment je suis avancé, je pense qu'on va essayer de le surprendre par derrière. Hop, vu que là, je vais droit vers lui, en fait. C'était pas voulu, hein, je cherchais juste des ennemis, mais bon. Maintenant qu'on est arrivé ici, faut faire gaffe qu'il n'y ait pas... Enfin, forcément, il y a une qui est mort. Ah, bonjour. Bonjour, monsieur. J'attendais ça. Bon, au moins, la clé mort est détruite. Lui, il est pas venu, mais... De toute façon, il va m'attendre, là. Est-ce que ça... Non. C'est la pire idée, je pense, d'y aller. J'ai... Allez, au moins 90% de chance de mourir. Bon, par contre, si mes amis ils vont à la place, c'est très bien. Allez, un qui est allé, et le deuxième. Oh là, merci. Je suis un bâtard en vrai, parce que là, je me suis vraiment servi de mes deux alliés pour m'en sortir, hein, vraiment. Mais ça a fonctionné, hein. On peut pas dire le contraire. Oh là, par contre, là, attends. On va peut-être pas recharger maintenant. Oh, genre, putain, il m'attendait au top, lui. Genre, il pensait... Quelle est ta probabilité pourtant pour que je fasse ça? J'étais si prévisible? Bon, pour moi non, j'étais pas prévisible. Mince quoi. J'aurais dû prendre mon temps à y recharger et ne pas y aller, ça aurait été beaucoup mieux comme décision, même si c'est pas la décision là qui me venait à l'esprit. Hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bon, j'ai encore tâché du coup de me servir de mes alliés moi pour pouvoir avancer calmement. Sans prendre de risques. Oui. Attends, y a un mec là. Il y en a un surtout qui était là, mince. Bon, il reste, on dirait, beaucoup au fond de leur spawn, là, pour l'instant, parce que rien qu'au middle de la carte, il n'y a personne. C'est quand même assez étonnant, surtout pour du Atlas Superstore, où les mecs, souvent, ils squattent par ici, là. Là, il n'y a personne, donc... c'est pas nous qui les bloquons, hein, je pense pas. Enfin, j'ai pas l'impression, donc c'est eux qui doivent rester bien au fond de leur spawn, là. Et c'est chiant, c'est quand même chiant, parce que, bon... Vu qu'il faut aller les chercher, bah, forcément, c'est prise de risque, hein. Je savais même pas ici qu'il y avait une fenêtre. What the fuck. Et en plus, quand je dis ça, il y a un mec qui l'a franchi, quoi. Wow, je savais même pas ça, par contre, que... Oh non, une eau pompe, hein. Je savais même pas qu'il y avait une fenêtre ici. En même temps, c'est pas vraiment le lieu que où je vais souvent, sur Atlas Superstore. On découvre encore des choses sur cette carte. Waouh. Exceptionnel. Là, il y a personne au top. Mais tu vois, ils sont vraiment tous au fond de carte, hein. Est-ce qu'on vous bougez, s'il vous plaît? Oh, ok. Lui, je l'ai vu au dernier moment. Son flash, là, de sniper. Oh là là. C'est des sacrés campeurs en face, hein. Lui, attends, il était niveau 1, il a le quart. Il y a deux niveaux 1 en face, what? Ok. Ça, c'est bien étrange. Encore, si vous êtes niveau 1, vous êtes pardonné, mais les autres, non. C'est pas... C'est hors de question de camper, c'est pas une raison, tu vois. Il n'y a pas de raison, de toute façon. Hop, il y en a un autre, là, je crois, au-dessus. J'ai cru voir un mec monter, là. Non, bonjour. Non, il n'y a personne. Bon, peut-être qu'ils vont tuer, hein. Là, tu vois, ça va sûrement arriver, non? Je préfère attendre. Je préfère attendre d'être sûr plutôt que foncer dans le tas et qu'au final, c'est moi. On va attendre. Putain, il y a bien quelqu'un. Ouf! Tendu. Bon, au moins, on va avoir le drone. On va un peu savoir. Mais attends, mais what, par contre? On perd? Mais comment ça se fait qu'on... Oh, mais lui, il va toujours attendre. Bon, bah, je me casse, hein. Comment ça se fait qu'on perd alors que... Pff, ils prennent aucun engagement depuis le début? Ça fonctionne leur stratégie du coup, hein. Ils arrivent à gagner en campant, quoi. Parce que bon, je suis désolé, mais quand tu vois qu'ils sont tous vraiment reculés au fond de leur spawn, il n'y a pas d'autre mot pour décrire que c'est de la camp. Voilà, regarde, il était derrière le comptoir, lui. Oh là là. Ah là 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 là. M'étonne pas que je joue plus en MME avec ce Modern Warfare, hein. Je commence à jouer en MME sur ce jeu, c'est vraiment pas grandiose, hein. Oh là là, en tout cas, à chaque fois que moi je joue en MME, c'est comme ça. Je me dis que toutes les parties sont comme ça. C'est pas moi qui a juste encore de la malchance. Hein. Ils sont encore en train d'attendre, mais je sais même plus où là. Il y a pas un gars là dans les... Non. Dans les étalages. Et lui, il est encore au fond. Mais allez vous maudire, bande de campeurs. Voilà pourquoi, tu vois, j'ai pas eu de chance qu'il y ait eu la déco de Shoothouse. Parce que s'il y avait pas eu la déco, ça m'aurait évité de jouer en MME contre de tels campeurs. J'aurais quand même bien préféré ça. Regarde, il est encore là, lui. Il a pas bougé depuis tout à l'heure. Oh là là, on était quand même mieux sur Shoothouse, hein. Alors, il y avait un objectif pour motiver. Camping Noobs, on est d'accord, merci. Je suis sûr que le mec qui a dit ça, là, c'est un allié. Je suis sûr. Impossible que ce soit un ennemi, vu que nous, on n'a pas vraiment l'air de camper. On se casse. Hop.
Putain, il clé mort, il y a tout, hein. Il y a l'artillerie lourde des campeurs là. Encore un mec derrière le comptoir. Deux mecs derrière le comptoir. Ok, non mais. Il y avait. Oh, il était où lui, attends. Il était où? Il était où? Non, il était derrière la porte. Oh là 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 là. Mais c'est quoi cet accueil? Attends, j'ai envie de vérifier, c'est quoi le pseudo du mec? LBN là, il est avec moi, LBN, non? Sinon, ce serait vraiment. Il est pas avec moi? Il est. Attends, 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 quoi? Le mec est en face, il dit camping noobs. Ah oui, mais peut-être qu'il parle de ses alliés après, hein. Parce que je suis désolé, mais moi je vois pas vraiment mes alliés camper là, hein. Alors qu'en face, par contre. En face! Oh, il y a de quoi dire, il y a de quoi faire, hein. Avec ce qui. Avec comment ils jouent. Ils sont encore en train de m'attendre là, voilà, tu vois. Même tout au fond là, je pense que le gars il est peut-être le même, il est encore de retour. Ça m'étonnerait même pas. Hop. Bon, assistance, ça par contre, j'ai mis tous les dégâts. Hop. Et là, si on va au comptoir, tu vas voir, ça va être la fourmilière d'ennemis. Là, tu veux croiser des mecs, tu vas au comptoir, c'est bon. Hein. Oh là 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 là. C'est vraiment comme ça qu'il est parti des MME, parce qu'il y en a sûrement d'entre vous là, parmi mes abonnés, vous jouez sûrement plus en MME que moi, vu que moi de toute façon j'y joue jamais. Et c'est fou parce que sur les autres Call of Duty, je jouais tout le temps MME, mais sur ce jeu, aïe, ça passe pas la MME. Hein. Mais ceux qui ont un peu plus de connaissances au niveau de la MME, est-ce que c'est vraiment comme ça toutes les parties? Mais pff, moi à chaque fois que j'y joue, c'est comme ça. Donc je me dis que oui, hein. Ça peut pas être un hasard, mais c'est horrible. C'est horrible. Parce que bon, quand même, et en plus là on est sur Atlas Superstore, donc fou, c'est pas non plus la map qui avantage le plus les campeurs, donc imagine on serait sur, je sais pas, Azir Cave. N'est-ce pas, Azir Cave, bonjour. Imagine comment ça serait. Tiens, allez, prends ma Semtex, toi, attends, là, je sais pas comment, mais on est encore, lui aussi il attend. De toute façon, il n'y a pas un mec depuis le début de cette game, mais lui il est niveau 1, il a la Holger, mais... Je comprends pas. Et puis il a des accessoires, il a ramassé par terre ou quoi, mais. C'est une énigme hein, cette partie. Hein. Il y a des ennemis niveau 1, ils ont des armes suréquipées. Il y a des campeurs de partout et lui il arrive à me tuer. Genre avec son EBR là. Bon je sais pas quel score on fait, mais j'espère que je fais pas non plus un score trop dégueu, ce serait pas mérité face à eux. Hein. Parce que ça va, je me débrouille bien, mais dès que je tombe contre un gros campeur comme ça, ça passe pas. Hein. Difficile en même temps. C'est pas comme si. Merci, famille. Pas fait exprès de la mettre là ma seringue. Oh, et lui, bon, il est encore en train d'attendre avec son Uber donc on peut pas y aller. Il y a un mec au top ici. Obligé d'avancer là prudemment parce que bon. Moindre geste trop rapide là, pour eux, c'est la mort. Il y a peut-être un mec là encore. Oh, il y avait un équipement, oui. J'ose même pas avancer là. S'il vous plaît, vous pouvez revenir derrière le comptoir là, au moins je suis prêt à vous tuer vu que je suis en mode campeur là, comme vous. Ça vient pas, hein. Ça vient strictement pas. Bon, 20 kills. C'était un game bonus en même temps, mais oh là là, c'était quoi cette game hein. Je me pose vraiment la question. C'était quoi cette game? N'importe quoi. Hein. Comment en étant niveau 1, ils ont des accessoires? Parce que même sur la kilo, comment tu peux avoir un viseur en étant niveau 1? Parce que tu passes directement niveau 2 normalement. On a fait du 20-10, ok. Bon bah quand je compare le score des autres ça va, même si bon, sur la fin j'ai joué un peu... Bon, quoique même sur la fin en fait, vu que je me suis fait tuer que par des campeurs, j'ai joué un peu plus en mode... On va pas dans le tas mais en même temps il n'y avait pas le choix. Mais oh, cette game, là le problème c'était pas la M4-11, c'était les ennemis. Bref, on va enfin du coup pouvoir parler maintenant des statistiques de ce qui s'est passé. Durant ces niveaux, donc après forcément le niveau 155, mais aussi depuis le début de cette saison 2. Donc voilà, voilou. Alors, je pense qu'on peut commencer déjà par la montée des armes, parce que là il y a énormément de choses à dire. C'est vrai que la dernière fois, donc lors du passage au niveau 155 de la saison 1, bah, il n'y avait pas grand chose de monter au niveau des armes. Maintenant ça a beaucoup avancé. Alors, fusil d'assaut, c'est là où c'est clairement le moins avancé. J'ai pas un seul fusil d'assaut en or. Alors, comme vous pouvez voir, ils sont tous quand même à peu près vers le niveau 60-50. Ouais, tu vois, donc au niveau des niveaux, c'est bien avancé. Pour le reste, bof bof. Bon, mitraine, vous le savez, du coup, je les ai en platine. Donc ça, c'est mission accomplie, voilà. Donc là, tout est bon. Les fusils à pompe, du coup, j'ai le modèle ainsi que l'Origine 12 en or.
Du coup, bon, le 725 fusil à pompe, c'est plus une question de temps pour également les avoir en or et donc en platine. Je pense d'ailleurs que le prochain épisode d'Objectif Damas, ce sera avec les fusils à pompe. Les mitrailleuses, j'en ai pas encore en or, mais elles sont toutes très bien avancées, particulièrement la VKM qui est toute prête à être en or, M91 aussi, MG34, SA, vous voyez, elles sont pas encore au niveau max, mais quasiment, donc mitrailleuses sont plutôt bien avancées au niveau des défis, genre tir penché et tout ça, déjà c'est fait, donc c'est une bonne épine du pied qui est dégagée. Fusil tactique, très bien avancé, pareil, carabine, du coup, je l'ai en or, EBR et AK98, pas encore, mais il reste que quelques petits défis, vous voyez que les armes sont déjà niveau max, donc là également, c'est plus qu'une question de temps avant de les avoir en platine. Fusil de précision, bon, ils sont déjà en platine, donc ça. Enfin, en or plutôt tous, vu que du coup, non, le platine n'est pas débloqué, mais donc là, c'est déjà bon. Bouclier, bon, est toujours niveau 1, donc pas avancé. Arme de poing, bah du coup, j'ai le Magnum en or, donc 357. J'ai un peu commencé, du coup, je sais même pas, c'est le M19 ou d'ailleurs le XS que j'ai avancé, je sais plus. Mais en tout cas, ça avance plutôt bien, sachant que la plupart des niveaux, là, pour les armes. Sauf du coup, bon, soit le M19, soit le XS, et du coup forcément le Magnum. Mais sinon, les armes, leur niveau, elle a été augmentée uniquement avec le mode escarmouche. Parce que sinon, j'ai pas joué en fait au 1911, au Deagle et tout. J'ai joué que en escarmouche, donc. Ça, c'est la petite particularité. Mais après, les pistolets, c'est pas très très loin à monter sur ce jeu, de toute façon. Hein. Lanceur, très 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 bien avancé. Là, vraiment, c'est nickel chrome, si je puis dire, vu que du coup, j'ai le Strela. Attends, c'est le Strela. Non, c'est le Pila. J'ai le Pila. Et ben si, j'ai le Strela aussi, du coup, en or. Le RPG, ça avance plutôt bien. Le Joker aussi. Vu que les défis plus compliqués, ils ont été faits. Donc là, également, il n'est plus qu'une question de temps pour les avoir tous en or. Mais ça va être plutôt rapide. Et bon, il reste le couteau. Mais le couteau, là, du coup, bon, il est que niveau 7. Et ça, bah, du coup, c'est grâce à l'infecté. Parce que sinon, il serait niveau 1. J'ai jamais joué au couteau, en vrai. Donc là, je suis étonné, en fait, en le voyant niveau 7. Mais oui, normalement, il est niveau 1, vu que j'ai joué qu'en infecté. Voilà, voilà pour la progression des armes, vous voyez, eh, ça a très bien avancé en fin de compte, hein. Donc ça c'est plutôt cool. Après, bon, j'ai fait 3 nuques, du coup, comme mes 3 premières nuques, hein, pendant ces quelques niveaux, donc grâce au mode méga infection. Bon, vous saviez que j'en avais fait 2, vu que j'en avais parlé dans ma vidéo première bombe nucléaire tactique, mais j'en ai fait une en plus bah, aujourd'hui, du coup, il y a quelques heures de cela, juste avant de passer le niveau 100. Donc ça fait toujours plaisir, voilou. Et sinon, bah rien à dire en particulier de plus, vu que de toute façon le fait majeur c'est la montée des armes. Après bon bah les nuques maintenant, hein, ça peut s'enchaîner, donc ça peut être bien. Après bon de toute façon les défis, vu qu'on est qu'au début de saison, forcément que bah, j'ai pas commencé à m'y atteler. Donc voyons voir du coup au niveau des statistiques. Alors statistiques forcément qui baissent en adéquation avec la montée des armes. Et vu que bah, c'est pas encore terminé, comme vous pouvez le voir, qu'il y a encore des armes un peu compliquées, je pense, notamment le couteau et le bouclier à monter. Bon, les stats vont normalement un peu continuer à baisser. C'est une fois que j'aurai tout ça après en Damas que tout ira mieux. Donc, arme la plus utilisée, c'est la Hog. Même si, bon, en réalité, ça devrait être la MP7, hein, je pense, mais ce sera bientôt la MP7 parce que c'est vraiment l'arme que je kiffe le plus, en tout cas en termes de mitraillette. Mais là, c'est pour l'instant la Hog, voilà, donc c'est plus le HDR, mais en même temps, vu qu'il a fallu monter les mitraillettes en platine, fallait faire plus de kills que les fusils de précision, donc normal que du coup, ce soit maintenant les armes que j'ai le plus utilisées, avec le plus de kills. Pour l'instant, c'est la Hog. Temps de jeu, 6 jours, 8h46 minutes. Donc ça fait déjà pas mal de temps sur ce Modern Warfare de passer, hein, mine de rien. 1656 parties jouées, 516 bons victoires, 1005 défaites. 0,51 de ratio victoire-défaite. Bon, vous savez, de toute façon, je quitte souvent mes parties. Même, de toute façon, quand je tombe dans les parties, j'ai commencé, je quitte direct. Donc, ça me compte comme des défaites. Donc, de toute façon, ça, c'est complètement biaisé. On s'en fout de cette stat. Donc, 30, ma meilleure série des nations. Mais, vous le savez, normalement, c'est 32. Vu que je vous avais même montré le gameplay. Mais, vu du coup, je m'étais ramassé une déco. On va en tirer encore une fois, décidément. Hein. Je m'étais ramassé une déco à la fin de la partie après avoir fait ma série de 32. Donc, quand j'étais infecté, donc ça va. Bah, du coup, ça m'a pas compté. Donc par contre oui, du coup ça compte la progression de tes niveaux quand tu te ramasses une déco, mais par contre tes séries d'élimination ça compte pas, hein. Super, merci. Donc bon, en réalité c'est 32 ma meilleure série d'élimination, c'est pour ça que je vais faire en sorte d'ailleurs de vraiment en faire une vraie 32 que ce soit marqué dans les stats, parce que là du coup c'est écrit 30, c'est un peu gênant. 1,25 du coup élimination mort, vous voyez ça continue à descendre malheureusement depuis que j'ai commencé à monter mes armes, mais je pense que ça va encore continuer à descendre, même si bon là ça descend beaucoup moins depuis un certain temps, ça se stabilise. Peut-être que ça va se stabiliser à 25.
Mais bon, après, j'espère un peu le remonter. Je m'intéresse pas forcément au ratio, mais je sais que je mérite plus sur ce jeu, donc voilà. Parce que là, c'est vraiment la montée des armes qui m'a tout fait descendre, surtout tout en jouant sur Shipment. Hein. Merci Shipment. Après, bon, faut prendre en compte qu'aussi, les bugs de co que j'ai là, avec les fameux bugs intermittents, bah ça aide pas pour mieux jouer. Hein. C'est très handicapant, et vu que ça, je l'avais pas au début du jeu, en tout cas avant décembre, bon, j'étais pas gêné, et du coup, le ratio il risquait pas de baisser aussi dans cette époque. On cherche peut-être des prétextes, mais je ne pense pas. Et ce campagne lutte, bon, on s'en fout de cette stat, vu que comme sur Infinite Warfare, elle est buggée, quoi que tu fasses, de toute façon, elle ne fait que baisser, elle ne monte jamais, même si tu fais des grosses parties à gros score par minute. Donc là, je cherche même plus à analyser cette stat, elle ne sert à rien sur ce jeu. Voilà. Si on va voir du coup maintenant les stats un peu plus en détail, bon, le score. Ouais, aussi, je peux vous montrer rapidement comme ça le score, voilà, petite comparaison. Est-ce que d'ailleurs je peux voir là les amis? Est-ce que c'est buggé? Ou je peux voir les amis? Non, d'ailleurs, je me suis trompé de tous là pour. Voilà. Alors, non, c'est buggé, vous voyez, je ne peux pas voir mes amis PS4, c'est beaucoup trop bien. Donc ça, on s'en fout. Bon, l'animation, du coup, bon, les classements, on va passer, hein, de toute façon, vu que c'est buggé. Donc voilà, la Hog, c'est l'arme avec laquelle j'ai le plus d'élimination. Donc là, je vous fais défiler tout ça. Donc les fusils d'assaut, voilà. Donc fusil d'assaut avec lequel j'ai le plus de kills, ça a l'air d'être la Oden. Effectivement, c'est la Oden. Ensuite, du coup. Ah, elle est pas loin, du coup, la Ram 7. Hein. Ensuite, bon, là, on a les lanceurs et tout. Lanceur avec le plus de kills, c'est le Pila. Voilà. Les batteuses, c'est du coup. C'est la 91 hein, avec laquelle j'ai le plus de kills. Et oui, c'est pas celle que je préfère, et pourtant. Et pourtant. Après, du coup, bon, pistolet, c'est le Magnum, bien entendu, vu que c'est le seul que j'ai en or, donc rien d'étonnant. Pour les pompes, c'est le modèle avec lequel j'ai le plus de kills, je suis pas forcément étonné. Après, du coup, bah, les mitraillettes, c'est la Hog, mais ouais, bah, tu vois, la MP7, MP5, ça se joue à 4 kills près, hein, la MP7, hein, donc pas étonnant, mais à peu près tous le même nombre de kills, sauf la Bison, parce que la Bison, je l'avais beaucoup montée en temps de double XP, c'est pour ça, je pense. Sinon, tu vois, c'est à peu près tous le même nombre de kills. Ouais, même tu vois, le Uzi est un peu plus détaché comme le Uzi. Sniper, après, bon. En termes de sniper, c'est le HDR normalement, qui a le plus de kills. Non, c'est la carabine, tiens. C'est la carabine, c'est vrai que j'ai pas mal joué à la carabine, bon, quand je l'ai montée en or. Ok. Et alors, à chaque fois, ça, je remarque, mais regardez les ratios pour chacune de mes armes, ils sont ultra bas la plupart du temps. Ça aussi, je pense, c'est buggé. Parce que s'ils seraient aussi bas, je pourrais pas avoir un 25 de ratio, même si, bon, il y a certaines armes, elles sont beaucoup plus hautes. Bon, la grosse ça compte pas vu que j'ai pas encore beaucoup joué avec, bon, la Scar si, mais tu vois, la plupart du temps, ils sont quand même assez bas les ratios sur mes armes, donc ça, je sais pas trop. Hein. C'est assez bizarre, même si, bon, à certaines armes, c'est vrai, ça a beaucoup baissé quand je les ai montées, genre tir penché et tout ça, c'est vrai que ça a été un sacré bordel. Je pense que la stat est un peu biaisée aussi pour ça, hein. M'étonnerait pas. Donc, ça, les équipements, voilà, en termes d'utilisation, de toute façon, j'utilise que la Semtex maintenant, rien que la Semtex. Équipement tactique, bon, j'utilise que le stimulant, donc rien d'étonnant que le reste, ça soit pas très avancé. Sidepoint, bah à chaque fois c'est que le drone, du coup avec la DAV et le petit hélico. D'ailleurs bon, la DAV, 149 utilisation, 525 kills. Et l'hélico, je suis également curieux de voir ça. Hélico, où es-tu? Je suis déjà passé devant. Ah, hélicoptère d'attaque, 74 élimination, utilisation plutôt pour 485 utilisation. Élimination, j'inverse tout. Plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal. Bon, les modes, et du coup, escarmouche, au final, ouais, beaucoup, parce que bah, finalement, dès qu'il y a un tournoi, j'y joue énormément en escarmouche. Même de toute façon, à chaque fois qu'il y a une nouvelle variante, je vous la propose. Donc, même si c'est pas mon mode de prédilection, bah, j'y joue beaucoup en escarmouche en réalité. Après, bon, guerre terrestre, j'y joue un peu moins parce que bah, je suis à fond sur la montée des armes. Donc, c'est, je suis du Shipment, du Shoothouse et tout. Donc, je suis un peu moins effectivement sur la guerre terrestre, même si bah, j'ai encore beaucoup y jouer en guerre terrestre. Après, de toute façon, c'est les modes Moshpit, hein, comme toujours. Donc, ça peut être de la domination, ça peut être du QG, du point stratégique, tout ça, et amélioration de combat. Je prends que la boîte de munitions et le silence de mort. Donc, voilà pourquoi c'est les plus utilisés, sans surprise. Donc, ça, c'était pour les stats en détail. Bon, ça, on a les trucs des médailles, mais c'est même pas des médailles, c'est plus des accomplissements dans les parties, mais c'est assez inutile. Je regarde à réaliser le plus d'élimination avec des mines de proximité. Ok, là un autre truc au hasard, réaliser le plus d'élimination en un seul tir. Ok, ça sert assez à rien, ça sert à rien en gros. Donc bon, on s'en fout. On s'en fout de ces espèces de médailles qui ne sont même pas vraiment des médailles, c'est le truc que tu obtiens du coup en fin de partie. Voilà, bon, le pass de combat sinon, actuellement niveau 29. Donc, j'avance pas très vite, mais vu que je quitte pas mal de parties, bah du coup ça compte pas la progression et du coup c'est un peu plus lent. Mais bon. Bientôt la striker, donc ça c'est déjà bien.
Et pour le reste, bah, je peux quand même vous montrer ma petite progression au niveau des défis. Donc je suis bientôt à 20 défis réalisés. Là, je suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je suis à 16 défis, ok. Sachant que comme pour la saison 0 et 1, pour l'instant, je regarde parfois les défis, mais je cherche pas du tout à les faire. Hein. Je chercherai à les faire quand je serai niveau 155. Donc pour l'instant, c'est normal, j'en ai pas fait beaucoup. Hein, mais on va essayer du coup de faire le 100% comme à la saison 1. Hein. Je pense que ce sera un peu l'objectif. Si c'est possible et que les défis du coup sont pas non plus si compliqués que ça. Donc voilà, je pense avoir fait le tour au niveau de toutes les statistiques. Et que enfin le parcours du combattant de cette vidéo est terminé. Yes, c'était pas facile, hein. Si en tout cas ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense, bien évidemment. J'espère que du coup le passage au niveau 155 se passera beaucoup mieux. Je prendrai large, hein. Ça vraiment je le répète, si vraiment je dois me servir des épreuves pour combler l'XP manquant, on fera ça. Mais au moins, je prendrai pas le risque à nouveau de me faire avoir par le fait que l'XP ne s'actualise pas et que du coup je me fasse avoir. Et je préfère vous pré-shoot parce que certains le diront sûrement en commentaire et c'est pas con effectivement. Oui mais Megafanta c'est peut-être parce que t'as fait des défis, du coup ça t'a fait XP d'un coup. Non, aucun défi s'est affiché, donc non, c'est pas les défis qui m'ont fait XP d'un coup, non, c'est vraiment que la progression de l'XP ne s'actualise pas. Voilà, fin du débat, fin de la vidéo. Et du coup sur ce, je vous dis bye tout le monde. Oh yeah!